Bonjour, me voici arrivée pour la nouvelle rubrique émission Et si on en parlait, qui s'appellera comme ça je crois, je ne sais plus, mais oui, ça s'appelle comme ça. Donc je réexplique le principe très rapidement. Dans le groupe Au Spirituel, j'ai créé un post sous lequel vous pouvez poser une question, spiritualité, défunt, qu'est-ce qui se passe après la mort, pourquoi on ne doit pas être des photos, machin. Alors, les petites étoiles du groupe ont été nombreuses à poser des petites questions très pertinentes. J'apprécie beaucoup les échanges qu'il y a dans le groupe. J'y vais pour me détendre d'ailleurs. Quand il y a des couacs, bah maintenant on discute plus, on n'a plus le temps, vous êtes trop nombreux. On bannit, je parle de quoi que de personnes très agressives, on se demande ce qu'elles font dans les groupes de spiritualité, à part démolir la spiritualité derrière l'ordinateur. Donc j'ai répondu à une question, mais je vous en offre une deuxième, parce que normalement ce sera le mardi, et bien sûr, je posterai aussi sur la chaîne YouTube, puisque vous pouvez regarder, et on peut en discuter dans les commentaires. Donc dans la précédente vidéo, j'ai répondu à la question d'Inès. Et je vais choisir une autre question. Donc les questions, ces petites étoiles qui les ont posées. Alors ce n'est pas des questions personnelles, de voyance, est-ce que je vais arriver à ceci, je vais avoir mon permis, tout ça. Non, c'est des questions... Voilà, il y a une personne qui m'a posé la question. Alors, si je sais y répondre, bien entendu j'y réponds. Si je ne sais pas y répondre, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Hein. Puis bon, il y a des questions qui ne me parlent pas. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de questions idiotes. Vous avez le droit de vous poser 1000 questions qui sont liées à votre spiritualité, à votre incarnation, à votre voyage, à votre mission de vie, à vos lieux lumineux. Donc moi j'ai la chance d'être entourée d'une lumineuse qui n'est pas là en ce moment. Mon frère non plus n'est pas là en ce moment. C'est assez difficile pour moi quand je ne les ai pas, mais ils vont revenir très très vite. J'ai d'autres lumineux qui m'ont rendu visite. Et puis, mes petites modératrices sur lesquelles je peux me référer et m'appuyer. Le groupe, c'est Au-delà du spirituel. Ne vous trompez pas. Je l'ai déjà dit, je l'ai dénoncé. Je suis plagiée à beaucoup de choses qui sont à mon nom qui ne le sont pas. Donc, vous verrez, le groupe est modéré. On ne peut pas rentrer sortir comme ça. Enfin, sortir, oui, mais rentrer, c'est plus difficile. Et... Par contre, vous pouvez vous exprimer librement dans le groupe, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai choisi une autre question qui se rapporte un petit peu à la question sur les photos, pourquoi on ne peut pas mélanger photos des morts et des vivants. Donc, j'ai expliqué dans l'autre vidéo comment j'en étais venue à ce sujet-là. Et donc là, j'ai choisi une question de Christine. Donc, vous pouvez venir dans le groupe avec des pseudonymes, ça ne me dérange pas du tout, hein, si vous ne voulez pas être cité. Donc, je sais de quoi vous vouliez parler, Christine. Bon, c'est valable pour tout le monde, puisque j'ai vu chez d'autres... on en avait parlé déjà avec mes petites étoiles, avec mes modératrices... La question est, pourquoi ne faut-il pas ramener chez soi des objets d'une tombe, de défunts ou des plantes? Et pourquoi est-ce qu'il faut se laver les mains toujours avant de quitter un cimetière? Je l'ai lu il n'y a pas longtemps sur le sujet, ce sujet sur de différentes choses. J'aimerais bien avoir votre avis, Lisa. Alors, il y a des gens qui ont répondu à Christine, qui ont vu ce sujet... Alors oui, moi aussi j'ai vu ce sujet parce que vous avez été pas mal à m'interpeller. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un petit truc. Enfin, je me suis dit, c'est plutôt notre lumineuse très célèbre qui m'a dit, Lisa, toutou, elle est longue, tu pourrais pas faire un... Donc voilà, la rubrique est née. Et vous avez été pas mal à m'interpeller sur ce sujet, notamment Nathalie, on en a pas mal parlé... bien avant que je crée la rubrique, comme par hasard, les deux sœurs doivent être quand même en communication, puisque, hop, c'est arrivé chez Lisa, et je suis allée voir, j'ai fait ma petite Sherlock Holmes en jupon, et alors je suis restée complètement ahurie devant les réponses de la dame, alors une dame que j'admirais aussi, qui est quand même connue,
Et je me suis dit, bon, là, ça part en cacahuète avec le mental limitant. Je vous rappelle que nous sommes des esprits incarnés tous, que nous allons partir à un moment donné, notre vêtement s'use, hein, il s'use comme un manteau, comme ce que vous voulez. On part quand même en manteau, c'est-à-dire l'énergie de l'âme qui entoure votre esprit, sa capsule de fusée pour aller dans d'autres mondes. Il nous reste au moins ça, c'est drôlement bien. Et donc, quand votre vêtement est complètement râpé, usé, bousillé, alors ça peut être de différentes manières, il y a 40 millions de manières de mourir, je vous rassure tout de suite, on va tous mourir, un jour ou l'autre. Et donc, quand il est usé, dans différentes cultures, on s'en débarrasse. Dans différentes cultures. Dans notre culture, il y a les cimetières. Alors, on va pas reparler des fosses communes, blablabla, remonter au Moyen-Âge, blablabla. Et dans les cimetières et dans d'autres cultures aussi, pas forcément un cimetière, il est très très bon d'honorer nos défunts, enfin, de les honorer, de se rappeler à eux. C'est une manière pour eux, puisque l'âme, notre esprit ne meurt pas, on va se retrouver, on se retrouve inévitablement. Après, il y a des cas très particuliers, mais bon, ça, on ne va pas en parler dans la vidéo. De garder le lien d'amour, parce que l'amour ne meurt pas. Donc, de garder ce lien. Et donc, dans notre culture judéo-chrétienne, on a les cimetières. Alors, qu'on soit incinéré ou pas, et puis il y a la loi. Il y a certaines lois faites par des hommes où, incinéré ou pas, on vous met dans un endroit qui s'appelle un cimetière, et c'est un endroit dédié où il y a d'autres vêtements, manteaux, enveloppes charnelles, corps humain, appelez ça comme vous voulez. Mais ce n'est plus vous, ça a été votre véhicule. C'est comme les bagnoles, et les bagnoles, on les fout à la casse. Et bien, c'est un peu pareil, pour vous donner une image un peu plus joyeuse. Et donc, ça permet de se recueillir, ça permet d'avancer dans son deuil, sa séparation. Ça permet aussi de nous ramener à la mort, hein, au deuil, au décès. Et donc, on met des objets, on met des fleurs, on met des choses matérielles. C'est notre mental, ça, qui nous fait faire ça. Notre mental, nos émotions, nos sentiments, ça matérialise. On est dans la matérialité, puisque notre esprit voyage constamment entre son état d'esprit normal, c'est le cas de le dire, hein, c'est pas des blagues, je peux pas utiliser d'autres mots, on n'a qu'un langage. Là, on parle français, mais dans d'autres langues, c'est encore un autre langage. D'esprit à esprit, on communique d'esprit à esprit. Il n'y a pas la matérialité. C'est ce qui s'appelle la clairaudience, la clairsentence, enfin tout ce que vous voulez, qu'Allan Kardec a très bien décrit dans ses livres. Vous n'avez qu'à les lire. Bref, j'ai fait des vidéos. À vous d'aller les repêcher. Et donc, cette matérialité, on met des bougies pour les parents qui ont perdu un enfant, on met des petits anges, on met des fleurs, elles fanent, il faut l'entretenir, on entretient la tombe de notre défunt chéri. Ils sont contents. Ils sont contents parce que quand on fait cette action-là, on est en contact avec eux. Souvent d'ailleurs, ils sont là. Ou pas, hein, s'ils ne sont pas disponibles, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'activités. On a beaucoup d'activités quand on est de l'autre côté. On n'est pas là assis en train de rien faire et de pleurer sur notre sort. Ça, ce sont des cas particuliers. Ça existe. Hein. Mais c'est particulier, on ne va pas parler de ça. On va parler de nos petits lumineux. Et donc, ça permet, très bizarrement, quand on nettoie ou qu'on entretient la tombe et tout ça, on est forcément amené au souvenir de. Donc, soit vous avez des vibrations basses, vous êtes encore beaucoup dans le chagrin. Bon, en même temps, quand on perd un enfant, le chagrin, on le porte, c'est notre croix. On le porte jusqu'à notre dernier souffle. C'est inévitable. Mais c'est valable aussi quand on perd un parent qu'on a beaucoup aimé, un ami, un proche, un animal de compagnie. Bah oui. Oui, moi j'ai perdu un petit chien, il s'est fait écraser.
J'ai fait mon deuil parce que j'ai repris d'autres petits animaux à quatre pattes. C'est pareil, je me suis dit. Alors j'entends souvent, non, je reprends plus de petites bêtes à chagrin, des petites bêtes à chagrin. Mais c'est horrible de dire ça. Nos petites boules de poils, c'est pas des bêtes à chagrin, c'est des bêtes à bonheur. J'ai horreur des mots négatifs comme ça. Comment ça, c'est une bête à chagrin? Mais t'es marteau, quoi, toi? C'est une bête à bonheur. On sait très bien, on n'est pas idiot, on est limité par le temps, on n'a pas le même espace-temps que eux. Mais on va pas se priver quand même, on sait qu'ils vont partir. Dès l'instant que vous acceptez ça, ben vous profitez de l'espace-temps qui vous est donné avec votre petite bête à bonheur. Et puis pour faire mieux, j'en ai repris deux. Et pourtant, j'ai beaucoup souffert. Et puis il me manque, j'ai sa photo sur mon frigo. Ma vieille Minette me manque, j'ai eu pendant 19 ans. Bon, je peux pas avoir d'autres chats parce que mon mari est un gros chat, donc c'est pas possible, ça va s'entretuer là, c'est pas possible. Et donc j'ai mes petites boules de poils. Et donc, cette matérialité, ce cimetière, cette stèle, ce que vous voulez, et puis il y a aussi ceux qui ont perdu des personnes proches et qui n'ont pas de stèle et pas d'endroit pour se recueillir et qui n'ont rien. Hein. Il y a aussi des personnes qui disparaissent, qu'on ne retrouve pas le corps, l'enveloppe, le vêtement, la vieille bagnole, la carlingue. Ceux-là n'ont rien. Alors, on va avoir des objets qui nous ramènent à eux. Bon, il ne s'agit pas de garder toute la garde-robe pendant 50 ans non plus. Ce n'est pas une bonne idée. Ça nous ramène dans des vibrations basses. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est se laisser emporter dans des vibrations basses. Et donc, bien sûr qu'on peut ramener un objet si la plante qui est vivante au départ, c'est quand même un être vivant. C'est une plante d'été ou de printemps, vous l'avez mise sur la tombe, c'était magnifique ce petit rosier, mini rosier, j'adore ça moi. Vous savez qu'elle ne va pas passer l'hiver, vous choisissez de la mettre dans votre sous-sol, votre véranda, je ne sais pas quoi, parce que vous pourrez la ramener après, bah, bien sûr qu'on peut le faire. Hein. Faut arrêter de déconner avec ça, on est en plein délire, on est en pleine matérialité, on est en pleine limitation du mental. Tout ce qui peut être joyeux pour vos défunts, tout ce qui peut être lumineux, qui vous ramène dans des vibrations de contact avec eux, ils adorent ça. Je ne fais que ça de le dire. Ils sont heureux qu'on pense à eux. Ça veut dire que ça n'a pas de fin, cet amour. Il circule, cette énergie continue de circuler. C'est comme leur enterrement, ils assistent à leur enterrement, ça c'est une obligation, une obligation, je sais plus si j'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos, avant le départ, j'expliquais dans le départ. Et oui, les bougies, alors on jette par contre, on jette ce qui est mort, ce qui est fané, la bougie complètement consumée sur la tombe, ce qui est sale, ce qui vous paraît. Prenez tout comme des signes, c'est mort, on va pas lui mettre des trucs moches, pourris, salis, non, pas question. Vous nettoyez, vous rangez, vous arrangez, vous y allez autant de fois que vous en avez besoin, même si on vous dit, on vous répète, nous, médium, hein, j'utilise ce mot, je sais pas quoi mettre parce que, bon, bref, c'est une classification, c'est un des seuls mots qu'on peut comprendre clairement. On reçoit ça comme message. Ils sont vivants, on est vivant, on ne meurt pas. C'est lui là qui va pas bien et qui continue pas. Puisqu'on doit aller dans d'autres mondes et dans d'autres mondes, dans d'autres incarnations, vous aurez d'autres véhicules. Hein. Ça, ici, c'est le corps humain. Il est adapté à ce monde-là. C'est adapté, enfin, de moins en moins, ça part en cacahuète, c'est un autre sujet. Ce véhicule, il est adapté. C'est comme quand vous prenez un tout-terrain pour aller faire du cross, comme quand je prends ma planche de surf ou bodyboard pour aller sur les vagues, comme quand je mets mes chaussons de danse pour aller à mon club de danse. Ben, ce corps-là, il est adapté pour que vous puissiez travailler vos leçons, vivre, évoluer et monter vers la vibration la plus haute qui est la vibration d'amour. Et donc, oui, on peut ramener des objets. Bon, après, vous me direz, moi, je n'en vois pas le grand intérêt, mais on peut ramener des objets. On ne va pas laisser la plante crever parce que ça vient du cimetière, ça me paraît quand même incohérent. Le
petit ange, il est sali, tout est sali. Moi, j'ai déjà ramené des choses de la tombe de mes beaux-parents parce que je voulais les nettoyer. Tout ça, c'est plus pratique. C'est pas très pratique d'être à l'autre bout du cimetière à quatre pattes en train de récupérer les trucs. Vous pouvez tout à fait les ramener et puis en mettre d'autres et puis les jeter. Ce n'est que de la matérialité. Il n'y a pas de danger. Vous n'allez pas ramener des énergies, des vampires, des je sais pas quoi. On peut aller au cimetière autant de fois qu'on veut. Oui, il y a plein de morts dans les cimetières. Oui, c'est bourré d'énergie. Oui, il y en a qui n'ont jamais de visite, donc ils risquent de vous suivre et de vouloir communiquer. Bon, ils vont vite voir que vous ne les entendez pas, donc ils vont faire autre chose. Mon frère, quand il est décédé, je l'ai vu plusieurs fois. Bon, on continue de le voir, c'est pas un mystère, vous le savez tous. Et il n'était pas très très content. D'abord, il n'était pas du tout content d'être mort. Hein. Sa mort a été très très violente et inattendue. Bref, je ne vais pas vous passer les détails, vous raconter toute ma vie. Et donc, il était très contrarié de voir dans quel état se trouvaient ma mère et mon beau-père, et nous tous d'ailleurs réunis. Il était très en colère, bon, c'était un colère de nature, un peu comme moi aussi, un tempérament espagnol. Son père était espagnol d'ailleurs. Hein. On n'a pas le même père, mais moi c'est mon frère. Je ne connais pas le mot demi-sœur, et même une meilleure amie peut devenir votre sœur. Il n'y a pas de raison. Ma cousine Germaine, avec laquelle j'ai grandi en partie, c'est ma sœur aînée pour moi. On met le mot sœur à qui on veut. Et donc, je le voyais souvent, il venait la nuit dans mes rêves et il m'avait tout raconté, toute son histoire, la nana, le truc, le machin. Et il était furieux parce que il voulait un cercueil bleu. Bon, voilà, je vous le dis, ma mère le sait. Et il aime le bleu. Voilà, il veut du bleu, il aime le bleu. Il aime que je m'habille en blanc ou en bleu, c'est lui qui choisit mes couleurs. Alors c'est embêtant parce que Stéphanie préfère le rouge, donc ça c'est embêtant quand je dois faire mes ongles. Voilà, il voulait du bleu. Et ma mère a eu du mal à accepter ça, donc il n'avait pas eu un cercueil bleu. Je me rappelle de rien, c'était trop violent, c'était trop... On ne se rappelle pas. C'est vrai que nous les proches, un truc comme ça, je me rappelle de rien, de rien. Je ne savais même plus où il était enterré, Je me rappelle de rien. Rien, c'est rien. C'est le trou noir. Ceux qui ont perdu les proches d'une mort violente doivent connaître ce truc-là. J'ai pas envie de me rappeler, d'ailleurs, parce que moi, je l'ai vu après comme il était, comme je l'aimais. Et donc, du bleu, parce qu'il aimait le bleu. Donc, ils peuvent vous demander des choses aussi. Hein, si vous allez au cimetière plusieurs fois, vous avez ramené des objets, ils vont tout à fait être capable de vous le dire. Vous verrez l'objet, soit vous ne le retrouverez pas, soit il sera complètement dans un état où vous direz « Ah bon, je ne me rappelais plus qu'il était violé, machin, il est devenu toujours le truc. » Ils sauront vous envoyer des signes de toute façon, si ça ne leur plaît pas. Si vous vous entêtez, hein, par exemple, à mettre un cycle à mer. Bon, je sais que pour les cimetières, il n'y a pas 36 000 plantes qui tiennent la route, les petits buis, les cyclamènes, c'est un peu toujours la même chose. Et qu'au bout de 5 jours, le cyclamène est complètement fané. Vous avez mis un rose, le cyclamène est complètement fané. Vous adorez ça, vous remettez un cyclamène complètement fané. On recommande. Non, vous arrêtez. Il ne veut pas. Il y a des défunts. Mon papa ne veut pas de fleurs. Il a horreur de ça. Hein? Il n'aime pas tous les trucs de tombe, moi non plus. Il ne veut pas. Voilà. Ils sauront bien vous le dire. Vous verrez, les fleurs ne tiendront pas. Ils n'aimeront pas. Il y aura trop... Il y a des défunts qui n'aiment pas les plaques. Les plaques, elles cassent. Alors, vous allez vous foutre dans le crâne. Quand vous a tout massacré le cimetière, bon, ça peut arriver aussi. Quand vous a tout volé, tout est pété. Il y a des vols dans les cimetières, je sais. Ils ne sont plus du tout dans la matérialité. Mais par contre, ils sont dans l'empathie, la compassion. Et ils sont reliés à vous par vos sentiments, par l'amour que vous avez eu pour vous, pour eux. Donc si vous arrivez au cimetière, que tout est cassé, grosse émotion, je pense pas, hein, c'est arrivé souvent qu'on me pose la question, le petit ange a été cassé, le truc a été pété, on m'a volé la plaque, ma fille, machin, un truc bidule, j'ai dit, attends, est-ce que t'as rêvé d'elle, est-ce que tu l'as vue, ben non, bah j'ai dit donc elle s'en fout. Voilà, comme ils sont dégagés complètement de cet aspect matériel, à moins qu'ils aient des demandes spécifiques à des dates spécifiques, laissez-vous guider par vos émotions, vos sentiments, faites
Voilà, gardez votre parole impeccable quand vous leur rendez visite ou même en dehors du cimetière. Et pourquoi est-ce qu'il faut se laver les mains toujours avant de quitter un cimetière? Donc, je réponds donc à la même question de Christine. Enfin, c'est dans la même question. Je sais de quoi vous parlez, Christine. Je l'ai lu aussi chez la fameuse dame en question qui est complètement barrée. Donc, je ne sais pas quel truc. Ça devient vraiment un gourou. Ça me fait peur. J'ai jamais rien entendu d'aussi bête. À part l'histoire du Covid, où vraiment il faut faire les gestes barrières, mais je doute que sur un cimetière, le Covid survive très très longtemps, et puis bon, quel intérêt. J'ai jamais entendu un truc aussi stupide. Jamais, 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 jamais. Je suis moi aussi née comme ça, médium. Si il avait fallu que je me lave les mains à chaque fois que j'allais dans un cimetière, je pense que mes défunts me l'auraient dit depuis longtemps, et même ceux des autres. Ils n'en ont rien à foutre, ils n'en ont rien à fiche de toutes ces faraboles, ces rocambolesques histoires humaines de cette planète, hein, de ce mental qui nous limite dans des trucs, des gestes et des tocs, des bidules. Alors, bien entendu, si on parlait de magie, si on parlait de rituel, je n'aurais pas cette attitude. Vous vous doutez bien que quand c'est un rituel de magie, quand c'est un truc de pleine lune, chèque d'abondance, vous avez vu que avec la petite fée, avec les modératrices, parce que des fois je me trompe dans les mots, tout ça, hop, recadrage, on corrige, on remet tout, on reste des êtres cartésiens censés incarner tout en étant dans notre spiritualité. J'ai horreur de cette tendance New Age où on veut vous faire avaler des couleuvres, où on se prend pour un gourou, on a notre libre arbitre, on a notre sensibilité, on a nos émotions. Quand on leur rend visite, c'est une visite, elle est importante. Souvent, ils sont là, ils savent que vous allez y aller. La Toussaint, c'est bientôt, c'est une fête très joyeuse, c'est la fête de tous les saints, d'accord? Et il y a le jour des morts, le 2. Je me trompe. Non, c'est le 2. Le 2, c'est la fête des morts. Oh, vous allez me marquer dans les commentaires, je ne sais plus, j'ai plus pas le calendrier sous les yeux. Mais il y a la Toussaint qui est une fête très joyeuse. Il y a le 11 novembre, c'est une autre fête. Et il y a le. Alors, c'est pareil, les commémorations. Les fêtes commémoratives sont quand même importantes parce que on crée un égrégore tous ensemble. On commémore ceux qui se sont sacrifiés pour nous ou qui ont été sacrifiés pour qu'on puisse vivre en homme libre. C'est très important. Même si c'est que chez vous, le 11 novembre, parce que bon, je vois beaucoup, bon, ça, c'est normal parce que ça remonte à 39-40. Bon, il y a quand même eu la guerre d'Algérie. Mon père a fait la guerre d'Algérie. Il en est rentré complètement rétamé. Hein. Donc, il y a quand même d'autres guerres pour qu'on puisse vivre, nous, libres et indépendants. Bien plus grave que ce virus, hein, bien plus grave que ce virus. Ils se battaient avec des fusils, rien du tout. Ils allaient au casse-pipe, nos grands-pères et nos papas. Et du coup, commémoration, c'est pas « ouais, je suis au repos, c'est la bamboula ». C'est bien aussi, les commémorations, de leur mettre une petite bougie. De penser à eux, petite prière de ce que vous voulez, voilà. Donc j'ai répondu à se laver les mains, vous faites ce que vous voulez, vous lavez les mains si vous voulez ou pas, et ils s'en foutent complètement. Il n'y a pas d'énergie spéciale dans un cimetière ni nulle part. Dans un hôpital, c'est différent. Hein. Mm-hmm. On fera une autre vidéo si vous posez la question. Dans un hôpital, c'est pas du tout le même. Les défunts qui se baladent dans un hôpital ne sont pas dans les mêmes vibrations que nos chouchous, amoureux ou pas, qu'on aime, qui sont dans le cimetière. Enfin, en même temps, quand on rend visite un lumineux qui est dans un cimetière, c'est qu'on l'aime, hein, en principe. Hein. Donc, voilà. Je pense aux parents d'enfants. Si vous voulez ramener un objet à la maison qui a été sur le cimetière, sur la tombe de votre enfant, parce qu'il est trop fragile, l'objet, ou qu'il s'abîme, faites-le si vous voulez. Ne créez pas trop de mausolées chez vous, quand même. Par contre,
ça vous ramène dans une vibration de souffrance et toutes les personnes qui rentrent chez vous, et notamment les frères, les sœurs, souvent je pense aux parents qui ont perdu des enfants petits, les frères, les sœurs, ils passent et ils repassent devant le mausolée. Ne soyez pas dans l'excès. J'ai envie de dire une bougie, une photo, ça c'est mes seins, vous voyez. Une bougie, une photo, un cristal. Soyez modeste. Ne soyez pas dans l'excès, c'est ça. Voilà, une photo, un petit ange pour un enfant qui était bébé. Moi, j'ai connu des gens. Je sais que c'est une souffrance, je l'entends. Hein, qui avaient des armoires remplies, des vitrines. Ça vous plombe un lieu quand même. Hein, et ça, c'est votre égrégore, votre énergie. Et plus les égrégores, l'égrégore qui a été créé dans la maison, avec toutes les personnes qui viennent chez vous et qui sont devant le truc en train de tout regarder pendant 3 heures, ça plombe. Là, on parle de vibration, on parle d'égrégore, on parle de tout ça. C'est pas le défunt, ça n'a rien à voir. Ne soyez pas dans l'excès. Soyez sensé, une photo c'est bien, deux si vous voulez, même une photo de la famille, pourquoi pas. Moi, j'aime bien avoir les photos des défunts sur la tombe des Lulus, quoi. Je me dis, ah ouais, tiens, machin, truc. Ah, bah, c'est peut-être lui que j'ai vu tout à l'heure à l'entrée du cimetière. Voilà, enfin, en général, c'est pas ceux-là qu'on croise, mais... Bon, j'espère que vous aurez compris. Je rallume quand même pour voir si j'ai fait bien le tour de la question. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ni photo de tombe, ni plaque, rien, et se laver les mains avant d'en sortir. Non, 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 on ne fait pas tout ça. Non, non, on fait vraiment avec son cœur. De toute façon, vous savez très bien qu'ils ne sont pas là-bas. C'est que leur véhicule qui est là-bas. Mais quand vous y allez, vous êtes dans des vibrations de visite. Donc forcément, vous pensez à eux, quoi. C'est surtout ça, la connexion. Ni pot de fleurs, ni photo de tombe. Bref, non, ça c'est... Oubliez tout ça. Voilà, bah, les fleurs que j'ai sauvées à la maison. J'ai aussi pris une plume blanche sur la tombe de ma fille. Je ne savais pas, ça c'est Sylvie, Jessie qui nous envoie ça. Je ne savais pas qu'il fallait pas. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah oui, on va être tous en panique. Vous avez très bien fait, Sylvie. Je vous dis, je pense beaucoup aux parents, hein, surtout. Voilà, les plumes, moi j'en dépose, hein, moi j'en dépose. De toute façon, moi, il a sa place ici, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo qu'il n'aimait pas. Ils vont se manifester, hein, vous verrez, vous aurez des signes, hein, si la plume ne lui paie pas, elle va s'envoler, elle va se casser, elle va se dépouiller. Ils peuvent agir sur la matière, ça c'est 100% garanti, ils peuvent agir sur la matière. Donc si ça devient moche, jaune, soyez sensé, ça ne lui plaît pas. Bon. Ben, ça te plaît pas, ma chérie, ben, écoute, je vais te l'enlever. Hein, vous avez entendu ma mère, hein, dans la vidéo, hein, quand elle a voulu porter la médaille de mon frère, que sa tata lui a, lui, il veut pas, il me fait tomber mes colliers, il me les détache quand ça lui plaît pas. Ben, Stéphanie, c'est pareil, hein, quand ça lui plaît pas, vous inquiétez pas. Je voulais faire un super sujet, hein, j'avais tout marqué et tout. Et puis, alors, moi, j'adore parce que Nathalie, qui est sa sœur aînée, toujours vivante, ne me dis pas à l'avance. Et du coup, ça nous fait des preuves que c'est bien notre plus lumineuse. Donc, j'avais préparé mes sujets. Voilà. Et il y a deux sujets sur lesquels il n'y a rien à faire. Je suis bloquée. Elle ne m'aide pas et tout. Puis sa sœur m'a expliqué. Elle m'a dit non, ben, je vais t'expliquer. Lisa, je m'en doutais un peu parce que voilà. Elle n'aimait pas du tout. Elle n'y croit pas. En plus, ça risque de t'apporter des problèmes et tout. J'ai dit bon, ben voilà. Donc voilà pour les objets, j'espère qu'on a bien fait le tour, je regarde encore un petit coup, vous avez très bien fait Jessie, faites comme vous voulez, surtout que c'est votre fille, voilà. Alors pour la Toussaint, faites-moi penser dans le groupe, hein, parce que maintenant je commence à avoir trop d'infos, ça, ouh là là, j'ai mon mental est limité, moi je suis comme vous. Faites-moi penser dans le groupe, au-delà du spirituel en Facebook, que pour la fête des morts, on leur rend hommage et on va tous poster, si on peut, hein, pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent, des photos de nos lumineux. On va créer un post et puis vous pourrez poster la photo de nos lumineux et peut-être qu'on aura des messages. Alors ça sera génial, vous allez voir. Et puis un autre
post. J'ai dit dans l'autre vidéo que je vais créer pour mettre notre bouille à nous de quand on était petit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, elles ne sont pas du tout idiotes, vos questions. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y avait d'autres questions sur l'archange Michaël. Les trois signes distinctifs que moi j'ai reçus à ma naissance, non, je les dévoile pas publiquement. Je les ai dévoilés à quelques amis et à une de mes modératrices, sur les autres aussi d'ailleurs, elles le savent. Après, on y croit, on n'y croit pas. Donc j'ai répondu que non, je ne donnerai pas les signes parce que ça va être plagié et je sais que ça va partir en New Age, ça. Voilà. Beaucoup de remerciements pour ma maman, c'est super. Et j'ai d'autres questions. Voilà, je vous dis namasté. Donc c'est la nouvelle rubrique le mardi. Bon, si je ne décide pas de tout toute seule. Vous avez vu qu'hier, j'ai pas pu. J'ai eu une journée pas possible. J'étais chez le médecin et j'ai lâché prise. J'ai lâché prise parce que j'ai dit j'arriverai pas à faire cette vidéo. C'est que c'était pas le moment. Il faut savoir écouter les signes aussi. Et voilà, ben là c'est le bon moment. Et du coup, j'ai toute mon inspiration. Je suis tranquille. Je vous fais des gros bisous quand même. Je vous dis à bientôt pour et si on en parlait. Et je vous poste ça tout de suite dans le groupe. Je vous dis namasté. Je vous dis à très vite. Vous avez le jeu pour participer, hein, pour les 10 000 abonnés. Si vous ne vous abonnez pas, je ne pourrai pas aller vous chercher. Vous n'aurez pas la petite notification dans votre mail comme quoi j'ai posté une vidéo. Donc c'est à vous de voir. Vous créez un petit compte YouTube et vous avez le petit truc abonné. Quand vous aimez bien une chaîne, moi je suis abonnée à plein plein de chaînes. Et comme ça, c'est bien parce que quand il met une notification, un post, un truc par écrit, on est prévenu tout de suite. Bye bye mes amis d'ici ou d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter. On est là pour échanger, hein. On n'est pas là pour se balader avec le melon sur la tête.